Jean! Coucou! Vas-y, rentre! Oh my god! Bébé, c'est mon amie Lisa! Ah, Lisa? Oui! Ah, Lisa, enchantée! Enchantée. Moi, c'est Jojo! Bah écoute, je vais aller acheter des trucs et je reviens! D'accord, ma chérie! Ok, tout à l'heure! Allô? Comment ça? Les 10 millions là sont perdus? Mais! C'était pour lui acheter un crayon! Non mais l'enfant doit dessiner, l'enfant doit faire des dessins, c'est pour ça que je lui ai envoyé 10 millions. Bon, c'est pas grave, envoie-lui 20 millions. Non, 10 millions c'est quoi pour moi aujourd'hui? Envoie-lui 20 millions, il prend les crayons de couleur aussi dessus et il colorie un peu le dessin, d'accord? ouais, c'est bon, d'accord? Oui, allô? 100 millions? Ça fait 100 millions la marchandise? Non mais faut me débloquer ça. On va essayer de partager ça à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton partager sur la vidéo. Ouais, on va le partager l'argent. C'est la famille quoi. Ouais. Pourquoi je ris comme ça? Non mais c'est parce qu'il y a une lumière dans mon salon actuellement. Ça illumine mon sourire. Ouais. Ok d'accord, oui on fait comme ça, hein, d'accord. Allez bisous. Oh les affaires c'est les affaires. Donc du coup tu t'appelles Lydia, hein, c'est ça? Oui, Lydia. Ok, d'accord. Oh Lydia, c'est que ton nom est pharmaceutique. Ton nom est bipolaire. Tu as un nom versatile. Belle. Désolée, j'ai mis du temps. Hein. Pour trouver les ingrédients, là, c'était dur. Mais bon, j'ai trouvé quand même. Voilà pour la délivrance. On va commencer. Attends, bébé. Les ingrédients de la délivrance, c'est quoi? Oui, je vais effectuer un travail spirituel pour elle. Un travail spirituel pour qui? Oui. Pour elle? Oui, elle a trop les esprits. Oh ha! My God! Elle a trop les esprits comment? Je n'ai pas compris. Elle a trop pratiqué dans la vie. Hé! Hey! Tiens, on dit que c'est seulement les noirs qui pratiquent. Oh. Ma chérie, tu es aussi dedans? Tu pratiques aussi? Et quand je parlais ici, tu ne peux pas me dire ça. On ne connaît pas qui est qui ici dehors. Et attends, esprit de quoi comment? Je n'ai pas compris. Elle retire aux hommes leur chance. Tu sens ce qui est positif. Yeah! Elle vous met que la malchance, le malheur dans vos vies. L'esprit, que quand tu couches avec un homme là, tu prends sa jeunesse, tu lui donnes la vieille, ça l'a. Elle prend quoi? Ah oui, quand elle couche avec un homme, elle retire toute sa jeunesse et il devient vieux. Jojo! Hey Jojo!